Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 13 d'ASQN TPDN. On se retrouve sous la pluie, c'est cool. Oui, donc il y a eu un bug à la fin de ma dernière vidéo, donc tout ce que j'ai fait, c'est ça. Voilà, j'ai juste fait le contour, j'ai planté les pouces, et voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc on va laisser ça comme ça, ça me paraît très très bien. Voilà. Et ben, si tu veux. Alors... Maintenant, on va aller ramasser tout ça. Ça me paraît très bien aussi. Ah, hop. Zut. On va mettre ça là. Voilà. On ramasse tout. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Je veux dire, ça me fait bizarre quand même de passer de l'épisode 10 à l'épisode 13. C'est quand même très con. C'est quand même très con. Mais, étant donné que j'ai enregistré l'épisode 10 et que j'ai enregistré pendant... J'ai enregistré pendant combien de temps, moi? Pendant 1h30, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais, hein? J'ai enregistré pendant 1h30, je pense bien, alors... Forcément, c'est un peu long. Alors, il me faudrait d'autres champignons. Ce serait pas mal. Dégage, toi. Allez, foutez le camp. Voilà. Voilà. Donc, ben, on va aller dormir. On va prendre le risque de se faire attaquer par des vilains méchants. Rien à foutre, de toute façon. Eh ben non, c'est parfait. Mais il pleut toujours. C'est casse-couille. Alors, eh ben voilà. Notchement entendu. Alors, il va me falloir de la terre. Je suis désolé, j'en ai plus. J'ai pas de pelle. J'ai pas de pelle. J'en ai sûrement de ce côté-là. Je vais retourner de l'autre côté. Je vais aller voir si j'ai des pelles. Si j'en ai pas, je vais m'en faire. Et puis, on va récolter un peu de terre. Je suis désolé, encore une fois, ça va être... un peu long. Pour l'instant, c'est absolument n'importe quoi. J'enregistre des vidéos à la volée. Et je peux pas les poster. Parce que, comme j'ai toujours pas internet. Enfin, pas de connexion correcte en tout cas. Comme j'ai pas internet, ben je sais pas les poster. Résultat. À l'heure où je vous parle. Enfin, au jour où je vous parle même, c'est mieux. J'en suis à l'épisode 5 sur ma chaîne. Et là, ben, on est à l'épisode 13. Épisode maudit. Et voilà. Donc, on va aller se récolter de la terre. On va aller se faire une partie pour le blé. Mais non, je trouverai pas de... Je trouverai rien d'intéressant là. Hein. Alors là, il y a. On va prendre ça, on va le faire cuire comme ça, c'est fait. Je me demande si je vais pas essayer de tout reprendre maintenant. J'ai quand même beaucoup pour tout reprendre maintenant. Hein. J'ai quand même beaucoup. Ouais. J'ai franchement beaucoup. Par contre, je vais accumuler la bouffe. Oui. Il me faudrait plein de redstone. Ce serait cool. J'aimerais bien essayer d'élaborer des petits systèmes, tout ça, en redstone. Ça serait vraiment pas mal. Alors, je vois pas grand-chose. Une petite seconde, je vais un peu décaler le micro. Et je vais m'avancer, même. Parce que je vois pas grand-chose à cause du micro. Ça devrait aller mieux. Voilà. Donc. Je vais prendre du charbon. Voilà. Oui, bon. Ça m'aide pas. Voilà. Alors. Donc des pelles.
Voilà, déjà ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir aussi? Qu'est-ce qu'il va me falloir aussi? Des bêches, je pense qu'on appelle ça une bêche. Je pense bien, j'en sais rien, je m'en fous en fait. je m'en fous. Alors, je vais les faire en pierre parce que j'en ai rien à foutre. On va en faire 5 comme ça, c'est très bien. Voilà, on récolte ça, on reprend ça et on se barre. Alors, de la terre. Que combien est-ce que j'en ai? Il m'en reste 2. Je vais me faire des pelles. De toute façon, ça me servira quand même, peu importe. Donc, je vais quand même m'en faire. J'ai plus assez de sticks. Voilà. Voilà. Et donc, on va aller aplatir le plateau ici. De toute façon, on s'en fout, alors. Bon. Voilà, donc, même si ce que je vais vous dire maintenant, quand vous l'entendrez, ben, ça aura bien évolué, je me permets quand même de vous dire que j'ai quand même pas mal avancé dans ma map aventure. Et logiquement, quand vous entendrez ceci, elle sera déjà bien avancée, voire carrément terminée. Alors je suis un véritable sadique et j'adore ça, j'ai des pièges et tout, c'est trop génial. Enfin, c'est trop génial. Je m'amuse bien et je trouve ça trop génial. Mais voilà. Maintenant, c'est une question de point de vue, forcément. Mais le principal, après tout, c'est qu'on s'amuse bien. Voilà. D'ailleurs, je dois dire que là, j'ai fait mon baptême de la redstone, hein, parce que j'en ai jamais autant chié en redstone. C'est pas spécialement compliqué, en fait. Hein. C'est pas vraiment... Non, me dis pas que j'ai plus de place. Le boulet. Je veux prendre plein de terre et j'ai plus de place. Bon. Mais il va me falloir ça aussi. Vache-le, voilà. C'est pas que ça soit spécialement compliqué, c'est juste que j'ai du tout accumulé dans une même zone. Et j'ai dû passer mon temps à établir des stratagèmes, genre on passe au-dessus, on passe en dessous, là on va aller sur le côté, machin, c'est un bordel. Quand ça sera terminé, je vous montrerai. J'ai de nouveau plus de place, c'est cool ça. C'est pratique. Je vais bien pouvoir jeter. Ça me tue de devoir jeter quelque chose pour de la terre. Mais je vais rien jeter en fait. Je vais rien jeter, je vais me barrer. Elle me tente cette caverne. C'était quoi déjà ça? Ah ouais, c'était. Ah ouais, c'est vrai, c'était la caverne avec. Oh punaise, j'y arriverai, la mine abandonnée, voilà. Ah, j'y retournerai pas tout de suite. Je reviens d'abord terminer la base de ce que je suis en train de faire, mais j'y retournerai. C'est pratiquement sûr et certain, j'y retournerai. Je vais d'abord aller déposer tous mes trucs. Et puis je vais aller continuer à rechercher un peu de terre, parce que il va m'en falloir beaucoup. C'est encore une fois la fête là-dedans. Punaise. C'est l'abus. Ah, j'ai un bug. Je lag. Oulala. Cette fois-ci, j'ai pas fini dans l'eau, mais. Mais c'est quand même pénible de laguer autant alors que. Enfin, je comprends pas. J'ai 8 gigas de RAM. j'ai du matos à toute épreuve. Et je lag. C'est n'importe quoi. Alors. Qu'est-ce que je vais y déposer? Je vais y déposer ma bouffe. De toute façon, je m'en servirai pas. Le sable, tout le bois.
Quoique le bois, en fait, je le mettrais bien du côté des arbres, ce serait plus logique. Je vais mettre ça là, même si c'est pas du tout design, j'en ai rien à secouer. Voilà. Alors je vais garder la terre avec moi, crafting table, je peux les mettre là. La couple, je vais la garder, la bouffe je garde aussi. Donc j'ai un peu trop d'outils en fait, tout simplement. Ça je vais les déposer là dans un premier temps. Les pousses j'en ai rien à foutre. Je vais les mettre du côté des bois aussi, ça aussi, voilà. Et c'est déjà bien. Et taper le charbon là. Voilà. Donc je vais mettre les pousses de ce côté là. Comme ça j'aurai les pousses et les bois séparés. Voilà. Peut-être garder un peu de bouffe. Ah, j'ai un peu de bouffe avec moi. Donc, voilà. Oh zut. Je vois pas grand chose en fait. Avec le... Je vois toujours pas grand chose avec le micro. Et c'est assez gênant. Oh, je vois un trou par là. On va pas aller voir. Autant que j'ai une épée presque terminée, mais j'ai quand même une épée. Et j'ai même des torches, tralala. Oh, dommage. Quand même récolter ça. Mais j'aurais bien voulu que ça soit autre chose quand même. Une grotte, encore un truc à découvrir qui me fera encore perdre 3 épisodes parce que je serai incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Un truc comme ça. Alors, voilà. D'ailleurs, de toute façon, là, le soleil commence à se coucher, donc je vais aller me coucher moi aussi. Quelques trucs en passant. Petite vérification, c'est vrai. Non, pas ça, pas statistique, je m'en fous. Mais voilà. Attends, j'y pense. De pas avoir de mauvaises surprises. C'est temps que ça pousse là quand même. Hein. À mon avis, ça poussera pas. Ça va déjà pousser. Je crois qu'il faut de... encore de la terre en dessous pour que ça pousse tout ça. Bon, on va encore essayer de dormir. On va sûrement se faire attaquer cette fois-ci, mais c'est pas grave. Ah bah non, même pas. Mais ça pousse. Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc on va aller par là. Ouais, déposer le sable, on s'en fout. On va garder les graines. Pam pam pam. De l'eau. Et puis, toute ma terre. Hein. Donc on va taper. Je vais quand même garder la bouffe avec moi, je disais donc. Et je... Oui. Donc, je sors du coffre, c'est plus facile. Et je tape. La terre ici, voilà. Bon, ça on va le faire. Je sais pas du tout comment. Bon, on va continuer là-dessus. Voilà, c'est bien. Ça facilite les choses. Voilà, on va aller comme ça. C'est très bien. Je sais pas du tout combien j'en ai fait là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6. Donc, je suis presque. Ouais. Enfin bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ouais, je crois que ça va être bon ça. Ah. C'était pas voulu ça, mais... Pourquoi pas. Ouais, ça va aller beaucoup plus vite, ça. Et c'est tant mieux, d'ailleurs.
accélère un peu. Parce que sinon, ça va me saouler. Hop, hop. Ouais. Ça sert à rien de courir, en fait. Ça me fait faire des conneries. Quand même con que je vienne à tomber dans l'eau maintenant, ça serait vraiment débile. Ouais, je termine vite ça parce que ça commence à me saouler. Je suis un abruti, voilà, ça c'est fait. Donc, tant pis, j'irai me laver juste après. C'est con de devoir aller se laver parce qu'on est tombé dans l'eau quand même. C'est paradoxal aussi. Voilà. Et voilà. Youp là. Alors c'est pas du tout centré par contre. Absolument pas. Ça c'est génial. Ouais. Donc ici j'en suis à un de moins. Et ici j'en suis à combien de moins? Ouais. Ouais, comme ça, non, encore un. Ouais, ça c'est bon. On va quand même faire ça parce que ça le fait vraiment pas. Voilà, on va entourer ça de bois. Le bois que je trouve ici d'ailleurs. Voilà. Évidemment. On va stocker la terre ici. Et donc... Voilà, je ne parle pas beaucoup, hein, désolé. Tant pis, ça on verra après. Et j'ai pas grand chose à dire parce que bah là on fait rien en fait. Là on construit et c'est tout. C'est de plus en plus étroit en fait. Ici c'était 3, puis là c'était 2, là c'est 1. Bah en fait je devrais barricader l'entrée en fait. Ce serait oui donc je suis pas un doué, vraiment pas. C'est plus facile. On va faire un petit tour et puis ça ira. Voilà, ça c'est parfait. On mettra les coffres au-dessus. Comme ça, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, des coffres, je ne vais en faire que 2. Ça ne servira à rien d'en faire plus. Ouais, c'est trop la classe comme ça. C'est très moche, mais j'en ai rien à foutre. Alors. Voilà, et aussi... mettre les seaux, voilà, zut. Voilà, là je devrais être sûr.
surélevé de terre, ça serait mieux. Et donc, que je ne dise pas de bêtises, c'est... Voilà, surélevé comme ça. On verra le design après. Soit on s'en fout. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Si je mets l'eau, donc c'est 2 et 2 de chaque côté, je pense. Bon, si je dois commencer à surélever tout de terre, j'aurai jamais assez de terre, en fait. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Je crois que j'ai encore un niveau de terre. Ouais, j'ai encore un niveau de terre. Bon, je vais creuser plutôt. Je vais creuser une tranchée pour l'eau. Plutôt que de surélever tout, parce que sinon ça va pas aller. Et puis on va le faire là, c'est pas grave. Mais quoi que... Une seconde... Si je fais 3-3, ça devrait aller logiquement. Je vais creuser à partir de là. Voilà. Je vais faire 3-3 comme ça, ça ira. Voilà. C'est pas... symétrique, mais on s'en fout. J'ai dit, j'ai pas commencé, j'ai pas envie de commencer à tout détruire pour tout reconstruire, machin. J'ai pas envie. Donc voilà. Donc le design, on verra après. Hein. Parce que... Bon. En fait, ce que je devrais faire, c'est plutôt faire ça. Comme ça, j'ai une source d'eau infinie, ça sera plus facile que de devoir tout le temps repartir de l'autre sens et... Non. 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 Oui. Non. Et... Voilà. Voilà. Et puis, c'est presque bon. Voilà. Presque. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc, les graines et les bêches. Hop là. Voilà. Ouais, il faudra que je passe mon temps à faire un passage, sinon ça va pas aller. D'ailleurs, je devrais la mettre au fur et à mesure, sinon ça n'ira pas non plus. Eh bien, on ne fera qu'un côté, hein. Même pas. Même pas d'ailleurs. Voilà, et c'est déjà pas mal, hein. Bon. Ben écoutez, moi je vous propose un truc. C'est qu'on va récolter un petit peu les quelques trucs ici. Puis là, il y a de quoi faire. Pouvoir faire plein de sucre. Allez, tchuté. Voilà, punaise. Ah non, là. Ouais, bah c'est bien. Je vais vous laisser là. Ouais, je vais vous laisser là parce que je devrais mettre des torches moi ici. Par contre, sinon je vais être légèrement infesté de monstres, en fait. C'est complètement freestyle, mais on verra après. Rien à foutre. Voilà. C'est complètement freestyle. On va couper le bois. Voilà, on va ramasser le bois. Comme ça.
Charlie Ingalls, le retour. Mais ça pousse déjà bien, hein. Ça pousse déjà bien, c'est bien. On essaiera de se trouver... On essaiera de se faire un... Est-ce qu'il y a moyen de récolter les spawners à mobs? Ça, je regarderai un petit peu. Essayer de se trouver un truc à squelette ou un truc comme ça. Et venir le mettre dans les alentours, ce serait pas mal. Zut. Voilà. Ça tombe au fur et à mesure. On va en replanter un chouïa. Genre ici. Ici. Et ici, comme ça, je suis sûr que ça va pousser. Et ici, très bien. Voilà. Mais voilà, un épisode court aujourd'hui, parce que j'avais envie de faire un truc tout court, tout léger, juste pour me détendre après ma journée de travail, tout simplement. Et voilà. Donc, ben, sur ces pouces qui tombent, je vous laisse en mangeant. Voilà. Allez, salut, salut!